Salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre petit let's play où notre but est de rendre du coup l'Italie une dictature. On a déjà redressé les comptes publics bien évidemment en utilisant évidemment la taxe sur les activités polluantes qui fait que c'est tellement cheaté que voilà. De toute façon ce n'est pas notre objectif, notre objectif c'est de rendre l'Italie une dictature. Et pour ça il faut bien sûr que nos comptes budgétaires soit positif, déjà pour faire baisser la dette et de deux, pour avoir des finances publiques, pour avoir des projets d'investissement, pour pouvoir, grâce à ces projets d'investissement, avoir une popularité très haute. Et le but pour devenir une dictature, c'est bien sûr avoir une popularité toujours au sommet. Si vous avez une popularité très basse, vous allez vous faire détruire. C'est pour ça qu'il faut avoir une popularité toujours aussi haute. Du coup, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez faire un pays, une dictature. Bref, j'ai assez parlé. Du coup, mon troisième objectif, c'est de dissoudre le Parlement. L'Assemblée a été dissoute. On va écouter les propos du coup du président du coup. Mes chers concitoyens, débats parlementaires paralysent nos institutions et l'action du gouvernement. Et ce n'est pas acceptable dans ces moments difficiles que traverse le pays. J'ai donc décidé de dissoudre le Parlement et appeler à de nouvelles élections afin de nous redonner les moyens d'une politique volontariste et porteuse de prospérité. Très bien. J'adore la musique, elle est excellente. Du coup, on a dissous le Parlement. Du coup, là, on peut pas faire passer de loi étant donné que le Parlement est dissous. Ça veut dire que le peuple, là, est en train de voter pour... En fait, là, on est... En fait, qu'est-ce que c'est que la dissolution d'un Parlement? Bon, il y en a qui le savent et j'espère que vous le savez. Qu'est-ce que c'est que la dissolution du Parlement? Mais pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en 5e, 4e, 3e, même bien avant, qui regardent du coup mes vidéos. La dissolution du Parlement, c'est la dissolution en France, c'est la dissolution... Bref, pour faire simple, ce sont des élections législatives. En gros, tous les députés sont virés. Voilà, pour faire très simple, les députés sont virés. Voilà, en gros, moi j'ordonne, je dis que les députés sont virés. Voilà, et du coup, s'il n'y a plus de députés, il n'y aura pas de représentants législatifs. Et du coup, ce n'est pas constitutionnel. Et du coup, quand on a une dissolution, la Constitution dit qu'il y a des élections législatives anticipées qui sont recréées. Du coup, comme vous le voyez, j'ai dissolu le Parlement. Et du coup, des élections législatives sont présentes. Et du coup, le peuple va devoir voter encore pour des parlementaires, pour des députés. Merci MX pour ton Prime. Du coup, ça fait 2 mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci. J'espère que tu vas être majoritaire. J'espère aussi parce que, en fait, pour avoir plus de chance, évidemment, de triompher au Parlement et du coup de triompher pour rendre notre pays une dictature, l'Italie du coup une dictature, il faut qu'on ait quand même la majorité au Parlement. Et c'est pas pour rien que par exemple j'ai fait passer le mode de scrutin majoritaire. J'aurai plus de députés parce que je suis élu. Voilà, plus de députés de mon bord politique. Que si c'était à proportionnel, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Rassemblement des indépendants. Faudrait que j'ai plus de 36% pour être intéressant. Là j'ai 36%, c'est déjà très bien. Au Sénat on en a aussi pareil. Il faudrait que j'ai au moins 40, et même ce qui serait encore mieux, c'est 50%. Attendez, comment ça je me représente? Oh merde, j'ai fait de la merde. Oh, c'est vrai que c'est comme ça. Oh, il faut faire des campagnes. C'est de la campagne. Oh, merde. C'est vrai, j'avais zappé. Bon, du coup, on va voir si on va réussir. Tchobilou, reformer l'Empire romain est-il envisagé? Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, mon but, franchement, dans ce LP, c'est de faire un petit LP. Voilà, ça va pas durer énormément de temps. Genre 5... Moins de 10 épisodes en tout cas. En attendant du coup le DLC 2020 qui va sortir de GPS 4, j'attends surtout ceci. Du coup on va faire
cette promesse. Ah mais c'est con là, en fait je suis en train de me détruire. En fait c'est pas une si bonne idée de faire ça. Bon écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je crois que j'aurais dû changer le modèle. Parce que attendez. Merde! Je me suis fait détruire. J'aurais pas dû faire ça. Bon, tant pis. J'ai 11% de popularité dans mon programme. C'est très bien. Ah merde, je vais dépenser trop d'argent. Je vais aller à Pouille. Hop, ici. Quels sont les trucs populaires? On va faire aussi un truc avec la police. Où les limitations de vitesse vont augmenter. Ça, c'est populaire. Voilà. Tac. On va le faire en Sicile. Mercredi. Un autre truc populaire. Qu'est-ce qui est très populaire? Réfléchis, Romain, réfléchis. On va baisser la TVA. on va la baisser de... Oh, j'ai pas la baisser... Oh, bah si, allez, on va la baisser de 2 points. Ah merde, il y a le débat télévisé déjà ici. Ah ouais, mais c'est trop rapide. Attendez, attendez, quelle est la popularité du coup de mon programme? 61? J'ai hâte que tu joues avec le DLC pour voir si tu arrives à me faire mieux que moi avec 68 000 morts. Ah, mais tu as fait quoi comme politique du coup? Est-ce que tu as fait une politique... Comment on peut appeler cette politique? Ou est-ce que tu as tout confiné ton pays? Est-ce que tu as confiné toute la France? Parce que moi, je vais pas faire cette politique. J'ai pas confiné tout le pays. Et d'ailleurs, c'est pas mon objectif. Moi, j'ai pas confiné tout le pays. Parce que pour moi, on se met une balle dans le pied quand on fait ça. Oh, j'ai trop de meetings. On va en mettre un meeting ici. Oui, au bout d'un moment. Ah ouais, ben moi je vais pas faire ça. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de ne pas faire ça. Parce que pour moi, c'est aberrant de faire ça. Confiner tout le pays. L'État devait être... Enfin, de toute façon, vous avez bien vu ce que ça donne. On a confiné le pays, mais regardez ce qui se passe. Ça recommence. Du coup, bon, voilà, quoi. Et aussi, bah, l'État, aussi, c'était de leur faute avant. Hein. Il fallait mieux être préparé. Coucou, Davrap. Davraptors. J'ai du mal avec ton pseudo. Coucou. Fidèle, évidemment. Du coup, un autre truc qui serait populaire... Ah, un truc qui serait aussi populaire, c'est de redresser, de monter un petit peu le SMIC. Ah, on n'a pas de SMIC. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de SMIC. Non, on va baisser le temps de travail. Incroyable, je baisse le temps de travail. On va aller en Lombardie. Là où en plus c'était chaud, avec le coronavirus. Élection. Ouais, 77%, ça craint un peu. 80% de déficit en arrêtant l'économie. Ah bah tu vois, moi je ferais pas ça. Je pourrais pas détruire... Enfin, dans ma tête, même moi-même qui a une idée politique, moi, si j'étais président, je ne ferais pas ça. Je ne fermerais pas le pays. Je ne vois pas l'intérêt de faire un confinement. Et d'ailleurs, la France a été l'un des confinements les plus stricts au monde. Est-ce que ça a été efficace? On va voir ça. Culture. Un truc qui serait positif. Euh,
J'ai créé des hôpitaux, j'ai fait... Qu'est-ce qui pourrait être positif, purée, bon sang? Je m'en rappelle plus. Faire baisser ma dette. Wouh, c'est très positif. Ouais, ça sera plus tard, hein, Davra. Re... Indépendance totale de la justice. Ça, par exemple, faudra pas le faire. Un petit truc populaire, on va refaire une taxe. Écoutez... Baisser la tranche basse. On va le faire ici, voilà, parce que j'ai jamais été. Hop, élection. 100%, parfait, you, super. Allez hop. Car sur mes LP, c'est tendu. Ah, tu fais des LP? C'est sur YouTube, du coup? Félicitations. Oh, mais en plus, c'est parfait. Ton campagne est excellent et rassemble tout notre électorat. Les votes ne devraient pas manquer de ce côté-là. Yay, ça, c'est excellent. Il a dit que c'était ultra bien. Mais je vais me faire enculer. Attendez, il y a combien de gens qui sont dans mon parti? Ok. Ah bah ouais. C'est sûr que... Ah bah ouais, non mais je vais me faire détruire. Mais comment le Parti Socialiste a pu avoir plus de trucs que moi? Ils ont que 3000! C'est quoi le but de cette partie? Devenir une dictature. Mais je crois que j'ai enlevé cette idée. Et je vais travailler avec le parlement qu'il y avait avant. Pendant ce temps, j'ai une pote qui me parle. Faudrait que j'aille répondre, mais après. Mais c'est chiant, ça. Putain. Écoutez, on va faire un truc. C'est aussi faire un petit coucou aux personnalités. Vas-y, toi, salut. Des gens qui m'aiment bien, quand même. Toi, tu m'aimes pas trop. Voyons, pourquoi les patrons, ils m'aiment pas? Je ne comprends pas. Vous voyez, en plus, on fait de la trésorerie. C'est pas beau, ça? Tu fais quoi comme DLC 2019-2020? Hein? Mais là, je suis dans le DLC 2019, je suis pas dans le DLC 2020. Qu'est-ce que vous me dites? Waouh, la dette, elle a ultra baissé, par contre. Bonne soirée, merci. Ciao. La tentation de l'extrémisme. C'est mon ministère de l'Intérieur qui est extrémiste, qui me dit attention à l'extrémisme, hein. Merci! Je ne le savais point! Purée quoi! Merci de me rappeler! C'est pas comme si j'allais me faire détruire. Bon, attendez, on va aller plus vite. Salut! Vous. Je. C'est sympa, mais j'ai. Oh, il m'aime! Oh, c'est super! Oui. Je regrette. Mais quoi? Mais. Ça m'énerve, j'ai encore perdu mon portable. Oui. Ok. Quand tu veux. Avec un tel taux de chômage. C'est quoi cette voix? Ok. Comme tu veux. Oh purée, c'est horrible! Comment voulez-vous que les gens... J'ai pas compris, Davra, ce que tu viens de dire. Oh, super, sympa. Il nous a donné 7 millions. Parfois, je sais... Waouh. Les préparer... C'est pas beaucoup, par contre, j'ai l'impression, 7 millions. Ah non, non, c'est énorme, pardon, j'ai rien dit. Bonjour. Salut, Congo. Volontaire.
L'armée la plus puissante de l'Union Européenne, bah c'est la France. C'est la France. Donc... Vu que le Royaume-Uni part, bah c'est la France. C'est... Enfin... Ouais, c'est la France. Cyberattaque contre notre parti. Ah putain... Ouais, je vais me faire détruire. En fait, parce que je suis pas populaire. Ah si ! Oh, yes ! Mais en fait, c'est pas suffisant, en fait. C'est nul. Quoique, parce qu'on a l'extrême droite qui est plus... En fait, si, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'en fait, on a l'extrême droite. Et l'extrême droite, ils sont aussi pour... Enfin, sur GPS4, évidemment. Ils sont aussi pour le... Déjà le débat. Bonsoir. C'est bon. Oh, c'est moi contre l'autre. Le débat va Go. Se dérouler dans quelques instants sous vos yeux. Les candidats sont déjà en place. N'hésitez pas à utiliser Twitch Prime ou à vous abonner sur Twitch. En plus, c'est le septembre. Du coup, vous avez une réduction sur votre premier abonnement. C'est 3,99€ au lieu de 4. Ou alors, pour ceux qui ont Amazon Prime, vous pouvez relier votre compte à Twitch. Vous pouvez utiliser gratuitement. Du coup, vous pouvez vous sub gratos. Chaque candidat à tour de rôle va devoir se prononcer. Ou alors, vous faites un don. Vous faites un sub gift. Vous offrez un abonnement à quelqu'un au hasard ou à quelqu'un que vous voulez. Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, en termes de fiscalité. Ah merde, j'ai déjà proposé. Ah merde, je suis dans le cul là. On va baisser ça. C'est par le pouvoir voilà car la consommation. Parce que c'est populaire. Parce qu'on est pour la consommation. Nos concitoyens retrouveront le chemin des centres commerciaux car évidemment, je serai évidemment. Le garant de leur pouvoir d'achat. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. À votre tour, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, t'es une merde. T'es une grosse merde. Merci. Et maintenant, nous allons aborder un deuxième sujet. Vas-y. Oh alors, putain. Quel est votre avis sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il va nous choisir? Oh, mais c'est pas très populaire, monsieur. Comme tout bon père de famille, il convient d'être attentif et rigoureux sur les dépenses budgétaires. C'est et pas de populaire. Réduire le train de vie de l'État partout où c'est possible, notamment dans le versement des aides qui représentent des montants colossaux. Sans remettre en cause nos politiques publiques, des ajustements seront nécessaires pour garantir la pérennisation du fonctionnement de l'État. Très bien. Et donc notre bien à tous. Excellent. Fort bien. À votre tour, moi, avez-vous un avis sur la question? Moi, écoutez, moi je suis pour le peuple. Le peuple veut plus de durée d'indemnisation, évidemment. En ces temps de crise où la pauvreté gagne du terrain, il est fondamental c'est normal. Il faut que ça soit populaire, même si je vais jamais le faire. Mais on s'en fout. C'est une question de conscience collective qui ne négocie pas. Exactement. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. Les candidats vont pouvoir se questionner directement. Bien. Je souhaiterais que vous nous éclairiez la recherche sur ce sujet que vous avez assez galvaudé, je trouve. Mais mon cher, tu me donnes un truc facile. La recherche. Oulala. Non. Je ne voulais pas faire ça. Moi, je vais doubler les effectifs. Mais bien sûr. En plus, c'est devons populaire. Favoriser l'innovation pour emporter les parts de marché. Mais quelle indulgence. C'est ce que font monsieur, nos concurrents vous croyez que je suis stupide? C'est ce que je ferai grâce à une politique publique ambitieuse. Et vous, monsieur, un truc. Comment détruire une personne? Soit vous mettez justice, soit vous mettez armée. Pour ma part, j'aimerais dites-moi bien vous ce que vous voulez faire avec l'armée. Pour lequel vous tenez une position... assez obscur. Bien évidemment.
Ah ben voilà, tu ne sais rien, merci. Tu es pourri, tu es une merde, tu ne peux pas diriger notre pays. Il ne reste dégage. Plus de candidats à conclure et peut-être à nous révéler une dernière promesse. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Filière générale. Ah, ça se fait être populaire. L'éducation nationale ne doit pas être analysée sous le prisme de la dépense, mais comme un investissement sur l'avenir. C'est la connaissance de nos jeunes d'aujourd'hui qui permettra le décollage de notre croissance de demain. Tout à fait, je partage ton avis. La politique éducative sera un axe majeur de mon mandat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, je vais te rejoindre. Pareil pour, ceci. Sauf que moi, je vais même pas faire un point, je vais faire deux points. L'éducation nationale ne doit pas être analysée sous le prisme de la dépense, mais comme un investissement sur l'avenir. Ça n'a pas trop été un plus, mais c'est la connaissance de nos jeunes d'aujourd'hui qui permettra le décollage de notre croissance de demain. C'est pas magnifique. À ces fins, ma politique éducative sera un axe majeur de mon mandat. Évidemment. Eh bien, encore merci à tous les deux d'avoir su garder une bonne tenue à ce débat. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez pu vous faire une image plus précise de nos deux candidats. Mais oui, notre plus système précise. De sondage instantané a, quant à lui, désigné un vainqueur. C'est surtout moi, franchement, je suis meilleur que l'autre. 93%. Cyberattaque contre notre... qu'est-ce qu'on a fait de pas très populaire? Par contre, les cyberattaques contre notre parti, ça craint. Rumeur sur le web. Oh, fait chier, sa mère. Et ça commence dès... Oh, mais c'est des bâtards. Ils ont bien fait, hein, ceux qu'ils ont fait ça. Parce que ça, la popularité, c'est ultra important, hein, pour les points. Du coup, est-ce que je vais renforcer, ma base, ou est-ce que je vais perdre? Bonsoir. Bonsoir. Les premières estimations viennent de tomber. Vas-y. Les voici en images. Alors, nous sommes ici, hein, nous sommes jaunes. Le plus important, c'est le Parti Socialiste qu'on doit détruire, mais normalement, on va le détruire. On doit rester au pouvoir. Hein. Du coup, toi, tu dois arrêter. Yes, super, on est au pouvoir. Ah, on n'a fait pas énormément. Mais ce qui est très très bien... C'est que l'extrême droite s'est améliorée. Et ça, c'est important. C'est avec fierté que je m'adresse à vous en ce jour bon, de on victoire. A gagné les élections, c'est cool. Notre parti a su imposer sa vision. Mais c'est à celles et ceux qui ont voté pour nous que je souhaite rendre un vibrant hommage. Merci, mes amis. Nous saurons nous montrer une fois encore dignes de votre confiance. Bien évidemment. Bon, on a perdu un petit peu, mais c'est pas grave parce que l'extrême droite s'est énormément améliorée et c'était mon but. Que l'extrême droite soit beaucoup plus puissante. Pourquoi l'extrême droite? Parce que l'extrême droite sur GPS4 a plus intérêt à ce que ça devienne une dictature. Du coup, je suis plutôt content que l'extrême droite soit quand même un peu plus important. Ça n'a rien changé sur le Sénat? Si on a plus de poids au Sénat, what the fuck? Bon, c'est très bien. Excellent, excellent, excellent. Du coup, on va s'arrêter là, YouTube. On se retrouve pour un prochain épisode, YouTube. Du coup, pour ce mini LP secondaire, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à vous abonner, à mettre un like et à vous rendre sur Twitch. Pour ceux qui ont Twitch Prime, évidemment, n'hésitez pas à vous sub à la chaîne. Et ceux qui peuvent subber aussi, si vous avez un petit peu d'argent, bien évidemment, 3,99€ pour le September, n'hésitez pas, vous pourrez avoir les rediffusions quand vous voulez sur la chaîne Twitch. Et bien évidemment, vous avez aussi bien d'autres avantages, un grade sur mon Discord, pouvoir participer au concours organisé pour les subs, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Et évidemment... N'hésitez pas à mettre un petit follow sur ma chaîne Twitch. Évidemment, c'est important le follow qui se trouve dans la description de la vidéo et aussi Twitter et Instagram. Allez, plus.